Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lagos au Nigeria pour ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va opposer les Super Eagles nigérians aux Lone Stars du Liberia. Les Nigérians seront les grands favoris de cette rencontre, 34e au classement FIFA. Ils affrontent une équipe classée seulement 50e au classement de la Fédération Internationale. Le Nigeria aura donc les faveurs du pronostic devant son public dans ce stade Teslim Balogun de Lagos, où 5000 personnes sont présentes pour assister à cette rencontre des Super Eagles. Une jauge limitée, bien évidemment, en raison des restrictions sanitaires. Le groupe C, la composition de ce groupe avec le Nigeria, le Liberia bien sûr, le Cap-Vert et la République centrafricaine qui se sont affrontés ce mercredi pour le compte de cette première journée. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Autant dire que le vainqueur éventuel de cette rencontre prendra seul la tête du classement. On rappelle le principe de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Trois tours. Premier tour qui concernait les 28 pays les moins bien classés à l'indice FIFA. Le Liberia a participé à ce premier tour et a éliminé la Sierra Leone. Le deuxième tour, c'est le tour qui nous concerne avec 10 groupes de 4 équipes. Et seuls les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le troisième tour pour un barrage en match aller et retour. Troisième tour qui désignera donc les 5 pays africains qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Mais d'abord, il faut disputer ce deuxième tour. Et ça démarre donc aujourd'hui pour les Super Eagles et pour les Lone Stars. Jamais l'équipe du Liberia n'a disputé de Coupe du Monde. Deux participations à la Coupe d'Afrique des Nations pour les Lone Stars. À chaque fois éliminé au premier tour. Et en face, eh bien, il y a le favori nigérian. 6 participations à la Coupe du Monde. Avec 3 huitièmes de finale, le dernier en 2014. Les Super Eagles s'étaient inclinés contre la France, la Brasilia. Déjà, il était également qualifié en 2018 et avait terminé troisième de son groupe derrière la Croatie, l'Argentine et devant l'Islande avec une victoire et deux défaites. On rappelle que cette équipe nigériane a remporté 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations, 1980, 1994 et 2013. La dernière victoire donc à la CAN pour les Super Eagles. Qui sont bien évidemment qualifiés pour la prochaine édition qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. L'édition qui se disputera au Cameroun, l'édition reportée, l'édition 2021, qui aurait dû avoir lieu donc en début d'année 2021 et reportée d'un an en raison de la pandémie mondiale. Les supporters des Super Eagles attendent avec impatience leurs favoris qui vont faire leur apparition sur cette pelouse du Teslim Balogun Stadium. Nigeria qui reste sur 3 matchs amicaux sans victoire depuis la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Nigérians ont été battus par le Mexique le 4 juillet dernier à Los Angeles. Une lourde défaite 4-0. Les Nigérians ont ensuite fait match nul contre le Cameroun en Autriche le 8 juin. Et quelques jours auparavant, il y avait eu une première confrontation contre
les Camerounais avec cette fois une victoire des Lions indomptables 1-0. Équipe entraînée par l'Allemand Gernot Rohr qui entend réussir ses débuts dans cette deuxième phase des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et Gernot Rohr qui est également en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en début d'année 2022. Les objectifs sont multiples donc pour le sélectionneur et pour les joueurs de cette équipe des Super Eagles. Il y a de l'impatience du côté du public. On découvrira dans quelques minutes la composition des deux équipes. Une composition très offensive du côté des Super Eagles. Allez, l'ambiance qui monte au fil des minutes. Qui n'ont pas le droit à l'erreur contre le Liberia qui se présente avec le statut d'outsider. L'entrée des deux équipes. C'est parti pour le protocole officiel de cette rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Nigeria, Liberia, première journée du groupe C. Super Eagles face aux Lone Stars du Liberia. Première journée du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Première rencontre s'est terminée sur un match nul. Un but partout entre la République centrafricaine et le Cap-Vert. Place aux hymnes nationaux. On start with the national anthem of Liberia. We'll be right back.
the national anthem of the Federal Republic of Nigeria. Et l'ambiance est montée d'un cran désormais dans ce stade Teslim Balogun de Lagos pour ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui va opposer dans quelques secondes les Super Eagles du Nigeria aux Lone Stars du Liberia. On découvre la composition nigériane de Gernot Rohr. On l'a dit, compo très offensive avec Moses Simon, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho et Alex Iwobi pour essayer de mettre à mal la défense du Liberia. Joseph Ayodele Haribo et Wilfried Ndidi seront chargés de la récupération. Et c'est William Ekong, le numéro 5, qui porte le brassard de capitaine, le défenseur de Watford en Angleterre. Le tirage au sort entre les deux capitaines, William Ekong et Allen Ngie. C'est le Togolais Kwasi Atiso Atiogbe qui va diriger cette rencontre. Ce sera la 16e confrontation entre les deux équipes. Le Nigeria a remporté 9 victoires, 3 victoires pour le Liberia et 2 matchs nuls. Et dans les rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde ou de la CAN, il y a eu 4 confrontations pour 2 victoires nigériennes, un nul et une victoire du Liberia. Voilà la compo de Peter Butler, le sélectionneur anglais de cette équipe des Lone Stars. Et on va compter aux avant-postes sur Pat Sherman, l'avant-centre, pour essayer de poser des problèmes à la défense des Super Eagles. L'attaquant de Darul Aman en Malaisie. Dans un instant, le coup d'envoi de cette rencontre importantissime pour les deux formations et tout particulièrement pour les Super Eagles, hein, qui ont le statut de favori dans ce groupe C. Je rappelle que seule l'équipe classée première du groupe se qualifie pour le 3e tour. C'est parti à Lagos, le coup d'envoi vient d'être donné par les visiteurs, les Lone Stars du Liberia, avec un premier long ballon vers Tisdale. La récupération nigériane avec Iwobi. Ola Aina qui rend ce ballon à l'adversaire, Allen Ngie. Dorley touche pour le Liberia. Dorley. Récupération d'Alexis Bobby. Long ballon. Oh, attention, cette remise en retrait de la tête. Il y avait Victor Osimhen en embuscade. On va avoir Iwobi côté droit et Simon côté gauche. Les deux attaquants axiaux, Victor Osimhen et Kelechi Iheanacho.
Ekong. Ndidi. Récupération. Ng. Tisdale. Il n'a pas voulu servir d'Orlé. Il choisit de jouer en retrait sur Baldé. Ballon pour Ashley Williams, le gardien de cette sélection des Lone Stars. On le rappelle, une sélection qui n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Et qui n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Éliminé au premier tour par le Tchad. Attention, une première offensive peut-être. Iheanacho recherché au Osimhen. Ça revient sur Ayodele Haribo. Et qui perce ce ballon. Segbe. Un coup de sifflet en faveur du Liberia. Faute sur Sherman. Et lui, l'avant-centre de cette équipe du Liberia. À l'image Peter Butler. La tête de cette formation depuis 2019. Ouais, belle récupération là d'Ayodele Haribo. Iheanacho attend l'appel d'Osimhen. Victor Osimhen est servi. Il va essayer de faire parler sa vitesse. Osimhen pour un premier centre qui arrive dans les mains d'Ashley Williams. On connaît la pointe de vitesse. Capacité d'accélération de Victor Osimhen, attaquant de Naples. Ndidi, Ayodele. Balogun. Ndidi. Wobi, il y a Nacho, ça circule bien. Ayodele s'avance. Collins. Iwobi, il y a du mouvement aussi, mettre dans la surface de réparation. Et la passe un peu molle là de Victor Osimhen. Et on lui a marché sur le pied. Là, il se plaint là auprès du défenseur, en l'occurrence Baldé. Ça explique la mauvaise passe de l'ancien attaquant du LOSC. Olaina. Sort du Torino. Iwobi. Il voulait jouer en 1-2 avec Aina. Aina n'avait pas poursuivi son effort. Défenseur formé à Chelsea. La saison dernière était prêté à Fulham. Ashley Williams pour un long dégagement. Il y a les tribunes derrière les buts qui sont vides. 5000 spectateurs autorisés, hein, une jauge limitée en raison des restrictions sanitaires. Aina pour la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions là sur cette touche. Longue, très longue. Et ce ballon y est dévié pour Iwobi. Le centre deuxième poteau. Moses Simon au point de pénalty avec la sortie de Williams. Oh, c'est bien défendu là de la part du gardien qui ne s'est pas jeté. Première situation très dangereuse pour la défense du Liberia.
première frayeur pour Ashley Williams, qui a bien joué le coup là. Il s'est présenté très rapidement devant Moses Simon sans se jeter. Iwobi. Dorley. Benji. Capitaine des Lone Stars. Sherman. Avec McCauley dans la profondeur. Peut-être une situation avec cette frappe qui s'envole, mais le drapeau était levé. La frappe d'Oscar Dorley. Signalé en position de hors-jeu. Pas de regret pour Oscar Dorley. Slavia Prague. Moses Simon, il va provoquer. Simon, frappe contrée et corner à suivre pour les Super Eagles. Garnot Rohr, sélectionneur allemand de cette formation nigériane. Il a pris en main cette équipe en 2016. De centre là, manqué, centre d'Ihanacho, un peu trop long. Garnot Rohr avec cette sélection nigériane, il a participé à la Coupe du Monde 2018. Troisième de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. C'est un joueur des Girondins de Bordeaux, club avec lequel il a disputé plus de 300 matchs professionnels. Et ensuite, une très belle carrière d'entraîneur. Entraîneur Bordeaux, Créteil, Nice, les Young Boys en Suisse, Ajaccio, l'Étoile du Sahel, Nantes, sélection du Gabon, du Niger, Burkina Faso et désormais la sélection nigériane. Jamilou Collins sous pression qui dégage en touche. La remise en jeu de Segbe. Cette possibilité pour les Lone Stars. Centre de Segbe, c'est un ballon capté par Okoye, le gardien nigérian. Gardien du Sparta Rotterdam dans le championnat néerlandais. Simon avec le bon tacle de Samson Doué. Du sélectionneur anglais, la Peter Butler. Et pour l'instant, une seule occasion pour les Nigérians avec Moses Simon. Pas réussi à tromper Ashley Williams. Et là, c'est une longue touche de Collins. Alors qu'il va arriver dans la surface de réparation. Ndidi s'est élevé très haut. Derrière, il y a une volée qui passe loin du cadre d'Ashley Williams. La volée d'Ola Aina. Ola Olua Aina. Il évolue désormais dans le club de Torino en Italie.
Allez, nouveau dégagement pour Ashley Williams. On s'attendait à une entame bouillante de la part des Super Eagles. Bien pour l'instant, les Lone Stars font jeu égal. Ils ne sont pas impressionnés par le prestige de l'adversaire. Et le ton monte un petit peu là. Et avec une faute là, sur Ndidi qui retombe sur le dos. Là, il a fait le dos rond, Sherman, numéro 9 du Liberia. Rappelé à l'ordre par l'arbitre. Et Wilfried Ndidi se relève en grimaçant. Il est tombé lourdement là, le joueur de Leicester. Ekong, Balogun. Bon ballon qui passe au-dessus de la tête de Victor Osimhen. Angie, Tisdale. À nouveau Terence Tisdale. Dans l'extérieur, le centre à terre. Point de pénalty, c'était un très bon centre de la part de Tisdale. En Turquie, club de Kocaeli Sport. Dorley pour la remise en jeu. Retournée de Sherman. Oh, c'est bien fait ça de la part de Collins, tranquillement de la poitrine pour son gardien. Et on le retrouve, Jamilou Collins. Simon, il a perdu son duel, le joueur du FC Nantes. Voir que garde notre or pour ces deux rencontres internationales, puisque le Nigeria affrontera le Cap-Vert, se rendra au Cap-Vert pour la deuxième journée. Et pour cette fenêtre internationale, le sélectionneur allemand a convoqué 30 joueurs. Débordement de Simon qui fait la différence. Le centre deuxième poteau, un petit peu long. Il y a Nacho qui empêche le ballon de sortir, mais si, il est sorti finalement. Ce sera donc une touche pour le Liberia. Oui, 30 joueurs convoqués par Canotror, parce que le Cap-Vert fait partie des pays considérés en zone rouge en Angleterre. Et donc les joueurs qui évoluent en Première Ligue et qui joueront cette rencontre seront soumis à une quarantaine à leur retour en Angleterre. Autant dire que a convoqué 30 joueurs pour permettre aux éléments qui évoluent en Première Ligue de ne pas disputer cette rencontre. Première Ligue et championnat écossais également. Possibilité de centre contré de Tisdale. Il est remuant la Terence Tisdale dans son couloir gauche. C'est un joueur évolué en Écosse. On pense bien évidemment à Léon Balogun, le défenseur. Défenseur des Glasgow Rangers. Joseph Ayodele Haribo. Et une possibilité de frappe là, trop croisée d'Ayodele Haribo, justement le voilà. Le milieu de terrain des Glasgow Rangers. Et Balogun, Ekong, Ayodele, Etebo également est concerné, Ndidi. Et tous ces joueurs ne font pas part à la prochaine rencontre pour éviter d'avoir à se soumettre à la quarantaine à leur retour en Angleterre, puisque le Nigeria, on le rappelle, se déplacera au Cap-Vert pour la deuxième journée. Qui aura lieu le 7 septembre. Le Nigeria jouera le 6
à domicile contre la République centrafricaine. Et pour l'instant, cette équipe du Liberia fait jeu égal avec les Super Eagles. Oscar Dorlet à l'image. Et la remise en jeu pour le Nigeria avec Ola Aina. Alors, petite rupture de faisceau, on a perdu le signal avec Lagos. On va retrouver très rapidement les images en provenance du Nigeria pour cette rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui oppose donc les Super Eagles aux Lone Stars du Liberia, 0-0 pour l'instant entre les deux équipes après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Présente nos excuses et on fait le nécessaire pour retrouver le plus vite possible les images de Lagos et les images du Teslim Balogun Stadium pour cette rencontre du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Nigérian à l'attaque avec l'ouverture du score signé Kelechi Iheanacho. Frappe premier poteau côté fermé. Et les Nigérians qui trouvent l'ouverture alors qu'ils avaient des difficultés à trouver des décalages, à mettre en déséquilibre cette défense du Liberia. Et il faut donc un exploit individuel. Il est signé Kelechi Iheanacho, l'attaquant de Leicester, son 10e but en sélection. Et ce but va forcément changer le scénario de cette rencontre, puisque les Lone Stars vont devoir prendre un peu plus de risques et se découvrir un peu plus également. Attention donc à la vitesse des attaquants nigérians, Osimhen, Simon, Iwobi et bien sûr Kelechi Iheanacho, le buteur. Avec une faute ici de William Ekong. Et sourire là de l'arbitre togolais Kwasi Atiso-Atiogbe. Mais sourire ne veut pas dire manque de fermeté. Hein. Il a bien fait comprendre aux défenseurs qu'à la prochaine faute, il y aurait un carton jaune. Et là, c'est un coup franc intéressant pour cette équipe du Liberia. Terence Tisdale a placé le ballon avec son numéro 21. Mais ce sera pour son pied gauche. Frappe directe et captée par Maduka Okoye. Et Kong avec Balogun. Avec cette montée, un peu de réussite pour trouver Iwobi. Ayodele. Balogun. Ekong. Aina. Comme par magie, hein, la circulation est un peu plus fluide là du côté des Super Eagles. Un but, il y a forcément de la confiance qui arrive. Baldé, Sherman, Dorlé, petite louche pour servir Macaulay. Ballon récupéré par les Super Eagles avec Iwobi contré. Iheanacho, la longue ouverture. Avec cette petite remise d'Iwobi un peu trop profonde pour Victor Osimhen. Benji là, il a poussé un peu loin son ballon. Attention, attention, ils prennent des risques là les Lone Stars. Iwobi, Iheanacho dans le dos pour trouver Osimhen. Position de hors-jeu de l'attaquant napolitain. Dégagement d'Ashley Williams, 27e minute. Le Nigeria mène un but à 0. Pour Osimhen, la saison dernière, pour sa première saison avec le Napoli, quand même inscrit 10 buts en championnat. Il a inscrit 13
titulaire de la saison précédente sous le maillot lillois. Très attendu pour cette deuxième saison en Italie. Aina. Ce ballon en retrait pour Okoye. Balogun. Et Anacho. Simon. Fin de centre de Moses Simon. En extérieur, le voilà, ce ballon destiné à Osimhen, finalement dégagé par la défense du Liberia, mais il y a une faute de main de Marcus McCauley et un excellent coup franc à venir pour les Super Eagles. Bien placé là dans l'axe, qui peut convenir à un droitier ou à un gaucher. Quelques notes là sur le banc. Nigérian avec Garnot Ror, attentif à ce coup franc. Kelechi et Anacho, ou peut-être une frappe de Balogun détournée, et un corner pour les Super Eagles. Frappe de William Ekong, pardon, le capitaine. Simon. Trajectoire rentrante, deuxième poteau. Ce ballon est finalement dégagé par la défense. Une petite faute là sur Ayuba Kozia. Qui évolue aux Pays-Bas dans le club du NAC Breda. Collins. La tête de Simpson Doué. Simon. Accélération du Nantais, le centre repoussé par Doué. Ils ne parviennent plus à ressortir le ballon là, les joueurs du Liberia. On entre dans le dernier quart d'heure de cette première période. Les Super Eagles mènent un but à zéro grâce à Kelechi Anacho, lui inscrit à la 22e minute. Bon ballon, Simon dans la surface, le petit décalage, c'était pour Ayodele Haribo. Oui. Un joueur qui est touché, en l'occurrence Samson Doué. Désormais dans les tribunes
du stade Teslim Balogun. C'est vrai que le but inscrit par Kelechi et Anacho a fait beaucoup de bien. Il y avait de la tension, il y avait un peu d'inquiétude. Les Nigériens avaient du mal à déstabiliser cette formation du Liberia. Et ça va beaucoup mieux depuis l'ouverture du score. Cette frappe d'Ayou Dele Haribo, prend le ballon en bas ventre. On va retrouver ses partenaires, le patron de cette défense des Lone Stars. Eagles là qui rendent le ballon au gardien Ashley Williams. Pas de problème pour Maduka Okoye, relance rapide sur Collins. Simon. Collins et Anacho avec ce centre manqué, ballon à sauter. Que les joueurs de Liberia n'ont pas inquiété le gardien adverse alors qu'ils avaient plutôt bien débuté cette rencontre. Ils ne parviennent plus à s'installer dans le camp des Super Eagles. Balogun et Kong. Ballon de Balogun vers Osimhen. Ça c'est bien fait de la part d'Angie. Extérieur du pied vers Sherman. Ou Balogun là il s'est un peu troué. Sherman a récupéré ce ballon et il va obtenir un coup franc. Perplexe. Peter Butler, sélectionneur anglais de cette équipe du Liberia. Un coup franc intéressant pour mettre en difficulté Okoye, le gardien nigérian. Appliquer là, Son Doué, point de pénalty avec une tête qui n'inquiétera pas le gardien du Nigeria, la tête de Baldé. C'est dommage, il y avait Sherman juste derrière Baldé, il était mieux placé. Simon. Collins pour la remise en jeu. Avec Osimhen qui fait parler encore une fois sa pointe de vitesse. Simon. Le centre est beaucoup trop sur le gardien. Là, pas de danger pour Ashley Williams.
d'Orlais avec un relais sur Tisdale. Ça s'est bien ressorti avec McCauley qui allonge. Un moment intéressant peut-être pour Terence Tisdale, sanctionné. Petit croc en jambe. Engagement d'Okoye. Les minutes défilent en faveur du Nigeria qui mène toujours 1-0 depuis la 22e. Charge là, mais ça revient sur Oyedelay avec la tentative de l'intérieur du pied et la reprise d'Osimhen, surpris par ce ballon qui ne parvient pas à cadrer. Il y avait d'abord la tentative de Simon, repoussée par Ashley Williams. Et Osimhen, surpris là, qui n'a pas réussi à se dégager un petit peu du ballon pour assurer sa reprise et trouver le cadre. Oh, c'était une balle de break là qui aurait fait beaucoup de mal au moral des Lone Stars. Versement vers Kozia. Ils ont retrouvé un peu de dynamisme, un peu de vie au niveau offensif, là, les joueurs du Liberia. Collet, et qui va perdre ce ballon. Et Nacho également le rend à l'adversaire. Soumaoro. Ce sera une remise en jeu pour Collins. Le ton monte là entre Alex Iwobi et le capitaine Alan Nji. Il a du tempérament. Le capitaine des Lone Stars. Joueur du FC Aro en Suisse. Allez, le ballon joué par Balogun à 5 minutes de la fin de cette première période. Et Kong. Tisdale. Là, il est pris là par deux. Joueur du Niger. Mauvaise passe de Wilfried Ndidi. Nji. Dorlé. Tenir un coup franc. Oscar Dorlé. Par Baldé. Cette fois, c'est position de hors-jeu qui est signalée. Balogun avec Collins. Et Kong. Moses Simon qui a permuté avec Iwobi. Il est maintenant côté droit. Il accélère le centre de Simon. Intervention de Samson Doué. Nji avec Dorlé.
Soumaoro, il avait une solution sur sa droite, il choisit Sherman à gauche, signalé en position de hors-jeu. Traîne un petit peu dans le dos de la défense là, l'attaquant des Lone Stars. Ouf, faute d'Alan Angie qui va recevoir le premier carton jaune du match. De la fin de cette première période, toujours ce score d'un but à zéro pour les Super Eagles qui n'ont pas encore trouvé ouverture pour faire le break et se mettre un peu plus à l'abri. Balogun à la relance. Avec son capitaine, William Ekong. Défense expérimentée. Avec le défenseur des Rangers, Leon Balogun, 33 ans. Et le défenseur de Watford, William Ekong, 27 ans. Un joueur de près de 50 sélections. 53 pour 38 pour Balogun. Et 48 pour Ekong. Dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. La remise en jeu de Collins. Il s'y mène un peu court. Ça arrive sur Iwobi. Deuxième poteau. Il y a Iheanacho. Et la frappe croisée pour le deuxième but. Le doublé de Kelechi. Iheanacho. Le voilà, le break réalisé avant la fin de cette première période. Une défense du Liberia un peu passive, un peu attentiste sur ce coup-là. Et Kelechi Iheanacho en profite pour signer un doublé. L'attaquant de Leicester qui... voilà, bien protégé son ballon et en se retournant d'une frappe en pivot. D'abord il y a la déviation hein, d'Alex Iwobi, ensuite il protège son ballon, se l'emmène et déclenche une frappe croisée. Bel enchaînement d'attaquants là qui surprend Ashley Williams. Oh, ce but est un coup de massue là pour l'équipe du Liberia qui avait retrouvé des couleurs sur la fin de cette première période. Qui parvenait à nouveau à se présenter aux abords de la surface de réparation de Maduka Okoye. Et là, ce but fait très mal. Le temps additionnel minimum. Attention à ce ballon pour Osimhen, l'arbitre a sifflé en faveur des Super Eagles. Devient compliqué là pour les Lone Stars avec Iheanacho pour frapper ce coup franc. Un ballon qui arrive dans les mains d'Ashley Williams. Iheanacho, hein, c'est 12 buts inscrits la saison dernière avec Leicester.
qui a rejoint le club en 2017. Bien fait de la part d'Angie. Dernière possibilité peut-être pour les Lone Stars. Et il n'y aura pas de temps supplémentaire. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2 à 0 pour les Super Eagles du Nigeria. Début inscrit par Kelechi et Anacho à la 22e minute pour l'ouverture du score et à la 45e pour son doublé. C'est 10e et 11e but en sélection. C'est bien parti pour les Super Eagles dans ce premier match du groupe C.
le stade de Lagos pour la seconde période de cette rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui oppose le Nigeria au Liberia. Le Nigeria qui mène 2 à 0 à l'issue des 45 premières minutes. Un doublé signé Kelechi Iheanacho, l'attaquant de Leicester, permet donc pour l'instant au Nigeria d'entrevoir une victoire importante. C'est la première journée dans ce groupe C. Il y a eu match nul, un but partout dans l'autre rencontre du groupe ce mercredi entre la République centrafricaine et le Cap-Vert. Le Nigeria, grand favori de ce groupe, eh bien, pourrait, si cette victoire se confirme, déjà se retrouver en tête du classement avant le déplacement au Cap-Vert. Le déplacement qui aura lieu mardi. Coup d'envoi de la seconde période avec le ballon pour les joueurs de Gernot Rohr, le sélectionneur allemand des Super Eagles. Samson Doué directement en touche. Collins. Jamie Lou Collins, il avait réussi un petit pont, mais il finit par perdre ce ballon. Jérémy Segbé pour cette remise en jeu. Tisdale. Oh, la mauvaise passe, attention, avec la possibilité pour Osimhen et la bonne sortie d'Ashley Williams. L'action n'est pas terminée. Aina qui peut centrer, ce coup de tête qui passe au-dessus de Kelechi Iheanacho qui n'était pas loin d'un triplé. Mais d'abord, il y a cette sortie magnifique du gardien des Lone Stars dans les pieds de Victor Osimhen. Ici, ouais, la belle sortie. Et ensuite, Ola Aina qui va trouver Iheanacho. La tête est manquée. Il avait la possibilité de s'offrir un triplé en sélection. Oui. En train de dire à Alex Iwobi, parle-moi, parle-moi. Il a pu jouer ce coup-là un peu mieux, Iheanacho. Dégagement de Williams. Le palmarès des Super Eagles avec 3 victoires en Coupe d'Afrique des Nations, avec 6 participations à la Coupe du Monde et 3 huitièmes de finale, le dernier en 2014. Il faut aussi ajouter bien sûr le titre olympique de 1996 décroché contre l'Argentine. Un bon ballon, très bon ballon sur le côté pour Iheanacho. Simon, non, c'était Iwobi qui avait presque réussi à faire la différence. Il a poussé un peu loin son ballon. Dégagement de Williams vers Sherman. Ah, il court beaucoup dans le vide. Sherman, ouais, on le voit ici. Qui évolue dans en Asie, en Malaisie précisément, dans le club de Darul Aman. Ndidi accroché, mais il résiste par sa puissance au retour de Tisdale. Le ballon sur Aina et un corner concédé par Baldé. Parfait pour les Super Eagles avec ce deuxième but juste avant le retour au vestiaire qui a un peu cassé le moral de l'adversaire. Attention, Balogun là qui est monté très haut.
Nigeria qui est bien parti pour continuer une incroyable série. Le Nigeria est invaincu sur ses 24 derniers matchs à domicile en éliminatoire de la Coupe du Monde. 21 victoires, 3 nuls pour les Super Eagles. Ils sont sur le point de décrocher une 22e victoire. Dégagement de Williams, Sherman à la retombée, sortie d'Okoye, Baldé, Dorlé, Simon a récupéré ce ballon, Aïna, Ndidi et Kong, Balogun. Et s'ils ne viennent pas au pressing, là, les Lone Stars vont courir après le ballon. Et une faute là sur Balogun. Simon. Oh, la sortie de Williams devant Osimhen. Avec Kozia, bien pris, la mille s'en sort, l'attaquant des Lone Stars, il va obtenir la touche. Nacho. Ah, il a porté un peu loin son ballon là. Simon, Ndidi. Puissance du joueur de Leicester. Simon. Didi, Versal qui arrive sur Iwobi. Iwobi, un appui sur Osimhen. Et la tentative lointaine d'Ndidi. L'action n'est pas terminée. Anacho. Dans l'intervalle, Iwobi. Anacho. Le centre, ouais, un ballon facile là pour Williams, un centre un peu long. C'était pour Victor Osimhen. Récupération Lone Stars avec Dorlé. D'occasion dans cette seconde période pour les joueurs de Peter Butler. Angie qui renverse assez bien fait avec McCauley en position de hors-jeu. Et encore, c'était quelques centimètres à Udele. Balogun. Ouais, ils sont maintenant en total contrôle. Les Super Eagles, il n'y a plus de pressing de l'adversaire. Simon.
Aina, talonnade pour Simon. De jolis retours de Tisdale. Attention à ses relances dans l'axe. Segbe. Encore une mauvaise relance. Ndidi à l'entrée de la surface, le crochet et ce décalage pour Ayew Dele, la sortie d'Ashley Williams. Mais le drapeau s'est élevé pour une position de hors-jeu. Oui, belle sortie du gardien, même si le drapeau s'est élevé. Il avait empêché Ndidi d'inscrire un troisième but qui aurait été refusé, bien sûr. C'est bon quand même pour la confiance du gardien. Le retour d'Aïna. Il prépare les premiers changements. Il peut se permettre de faire tourner un petit peu la garde notre or. Le scénario est ultra favorable. Pouvoir se projeter tranquillement vers le déplacement au Cap-Vert avec certains joueurs qui vont quitter la sélection. Simon. Il va obtenir la touche. Attaquant du FC Nantes. Alors, premier changement du côté des Lone Stars. Avec la sortie, ça c'est surprenant, la sortie de Terence Tisdale. Peut-être un petit peu blessé. Il a cédé sa place. Camara, Abou Camara. Tout jeune joueur. Qui évolue dans le club de Makedon Jagip en Macédoine du Nord. Et qui va donc faire ses débuts en sélection. Voilà les premières minutes sous le maillot de l'équipe nationale pour Abou Camara. C'est un coup franc, long deuxième poteau. Il y a Ndidi et ce sera un corner. Concédé par Matt Collet. Il y a Nacho pour frapper ce nouveau corner. Premier poteau, il n'a pas suffisamment levé son ballon. Attaque possible là, avec la profondeur pour Sherman et la bonne sortie d'Okoye. Nouvelle position de hors-jeu. Dégagement. De Baduka Okoye, gardien du Sparta Rotterdam aux Pays-Bas, qui pour l'instant a vraiment été inquiété. Il n'a pas eu à s'employer trop souvent dans cette rencontre. La déviation d'Osimhen pour Iheanacho, devancé par Ashley Williams. Bon dégagement. Au jeune Abou Camara qui vient d'entrer. Il faut s'appliquer là sans tous les coups de pied arrêtés. Ayew Dele. Iheanacho accroché.
et carton jaune. Touche le pied Brem Soumaoro, deuxième joueur averti. Après son capitaine NG. Abrahim Mohamed Soumaoro, surnommé Brem. Évolue dans le championnat chypriote, dans le club du PAEK FC. Iwobi s'est bien fait dans la profondeur pour servir Collins. Et oui, on ne se parle pas dans cette défense. Il avait quasiment le ballon dans les mains, Ashley Williams. Et le défenseur intervient pour concéder le corner. C'est Samson Doué qui a dégagé ce ballon. Et on a passé l'heure de jeu. Corner premier poteau. Et la parade d'Ashley Williams en deux temps avec la remise de Samson Doué. Et à nouveau un petit problème de liaison avec Lagos. Sur cette occasion nigériane, on n'était pas loin du troisième but. On est désolé, bien sûr, de ces ruptures d'image. On fait le nécessaire pour retrouver rapidement la liaison avec Lagos.
en cette deuxième phase de qualification face à une équipe du Liberia qui a été un petit peu assommée par le deuxième but lié à Iheanacho à la 45e minute, juste avant de rentrer au vestiaire, et qui n'a pas retrouvé encore suffisamment d'allant. Peut-être ici, avec cette frappe de Sherman qui passe à côté du cadre d'Okoye. C'était une opportunité, la première dans cette seconde période pour les Lone Stars. La relance du capitaine William Ekong. Iwobi. Et bon retour de McCauley. Et Iwobi récupère ce ballon avec la frappe pied gauche qui passe au-dessus de la cage de Williams. Il a raison là, de tenter sa chance, il n'y avait pas de solution sur les côtés. Être relativement serein. La Garnot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles. Je rappelle que cette formation est qualifiée pour la finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du 9 janvier au 6 février. L'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun avec un an de décalage repoussé en raison de la pandémie mondiale. Et le Nigeria fera bien évidemment partie des favoris. Attention, attention, le bon ballon là pour Iwobi. Et le drapeau s'est levé. Nouvelle position de hors-jeu. Ouais, l'ouverture d'Iheanacho était bonne. Hein. Il est un petit peu impatient sur ce coup-là. Alex Iwobi. Everton, formé à Arsenal. Tête de Balogun. Il avait le temps là. Personne ne lui a parlé. La touche pour les Lone Stars. Les 20 dernières minutes. Centre, oui, il faut rester concentré là au collier. Un centre de McCauley sans grande conviction, pris un peu de l'extérieur du pied, qui aurait pu surprendre le gardien des Super Eagles. Et Kong. Collins, Balogun, ouais, toujours pas de pressing hein, de la part des Lone Stars là. Prendre plus de risques pour aller inquiéter cet adversaire là qui est en pleine confiance, qui se contente de dérouler tranquillement. Ndidi. Délé, Ndidi. Ouais, ça circule plutôt bien là, avec une frappe à ras de terre captée sans problème par Ashley Williams. Frappe de Kelechi Iheanacho, auteur d'un doublé en première période. Ah, il a le temps de contrôler de la semelle, de se mettre en position de frappe. Il avec le gardien des Lone Stars. Ouais, il ne peut pas continuer, semble-t-il. Là, il secoue la tête. Ashley Williams. Ouais, tout va mal là, pour l'équipe de Peter Butler. Alors qu'il y a des sourires de l'autre côté avec des changements à venir. On a vu le grand Paul Onuachu. Son numéro 19, le voilà. 2m01,
Il y a également Samuel Kalou, le joueur des Girondins de Bordeaux, qui va faire son apparition. C'est juste des crampes. Devrait pouvoir reprendre sa place, Ashley Williams. Super Eagles en profite pour se désaltérer, recevoir quelques consignes là ici à Moses Simon avec Garnot Rohr. Victor Osimhen également. Il faut rester attentif parce que le jeu reprend. Il n'était pas du tout replacé là. Une séquence étonnante avec ce ballon qui va arriver sur Sherman. Pas de conséquences pour les Nigérians. Mauro. Benji sur la tête d'Aina. Ayudele. Ndidi. Entre dans le dernier quart d'heure et un bon ballon là pour Jamilou Collins. Iwobi. Collins. Ayudele. Il a oublié le ballon derrière lui. Benji, ah, il s'en sort bien. Le capitaine des Lone Stars. Samson Doué. Benji. Duel toujours entre Sherman et Balogun. Il a mal au genou. Léon Balogun, là, le défenseur des Rangers. On l'a vu se tenir le genou. Alors, il va y avoir des changements des deux côtés. Avec, côté des Lone Stars, la sortie de Sherman. Et l'entrée de Peter Wilson. Aussi un joueur du championnat chypriote, Olympiakos Nikosi. Il a fêté sa 5e sélection. Et non, on s'est ravisé là du côté de Peter Butler. Ah, ça c'est surprenant. Il a décidé d'attendre un petit peu pour effectuer ce changement et de laisser Sherman sur le terrain avec le centre de McCauley. Sifflé en faveur de la défense du Nigeria. Les changements côté nigérian, eux, vont avoir lieu avec la sortie de Victor Osimhen. Paul Onuachu. Et Samuel Kalou lui aussi fait son apparition. Alors à la place de qui? Iwobi ou Simon dans la logique des choses. Camara, le bon retour d'Aina. Collins. Onuachu. De centre là, non, ce ballon qui arrive sur William Ekong qui peut dégager en touche. Samson Doué, il a changé son fusil d'épaule là, Peter Butler.
là sur Ola Aina qui a pris un coup au visage. Allez, il écarte le bras Camara et il met un petit gifle involontaire au défenseur nigérian. Qui est sorti, remplacé donc par Samuel Kalou. Pour les 10 dernières minutes du temps réglementaire, un petit peu plus. Ashley Williams avec Samson Doué. McCauley. La jolie transversale là pour Dorlé. Il faut s'appliquer sur le centre. Il y a du monde avec une tentative de Ciseau et de Camara. Pleine d'audace. Ouf. Faute là sur Kalou. Alors, non, Peter Wilson, il est toujours là pour faire son entrée. Sortie de Marcus McCauley, remplacé par David Toué. Et bien, l'entrée de Peter Wilson à la place de Sherman. Kalou passe à l'adversaire là. Et Samuel Kalou. Oh, c'est bien fait ça. Et ballon sorti en touche. C'est dommage, il avait réussi un petit enchaînement technique. Magnifique là, le joueur des Girondins de Bordeaux. Et encore Udélé là qui fait parler sa puissance. Avec Onuachu, Iwobi pour Aina. Ils sont nombreux là, les Super Eagles sur cette contre-attaque. Et bon repli d'Alan Angie. C'est précieux, hein, le capitaine des Lone Stars. Il aura ratissé pas mal de ballons. Doué avec Samson Doué, battu dans ce duel. Bien fait ça, Ndidi avec une remise d'Ayudele. Ndidi en position de débordement, le centre est détourné, fin de frappe d'Ianacho. Ah oui, il fait pas mal tourner la garde notre or, il a raison. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire, il est déjà lui sur la préparation du prochain rendez-vous. Ce sera mardi, déplacement au Cap-Vert. Par-dessus, ce sera un peu long là pour trouver Kozia. Et ça rigole hein, du côté des remplaçants nigérians. À peine Boussa là qui a un grand sourire. Balogun. Avec son capitaine William Ekong. Ayudele qui ne regardait plus le ballon. Iwobi. Et remise de Nouachou, c'est bien fait. Iwobi en première attention pour servir à Samuel Kalou. Kalou dans la surface de réparation. La talonnade pour Collins. Et ce sera un ballon pour le gardien des Lone Stars. Deux nouveaux changements du côté de Garnotror. Moussa et Chehou.
latéral de l'Omonia Nicosie qui remplace le capitaine. Tout simplement. William Ekong. Alors, Moussa récupère. Non, il ne remplace pas du tout Ekong. C'est un changement de brassard là. Ahmed Moussa récupère ce brassard pour sa 99e apparition sous le maillot de l'équipe nationale. C'est le troisième joueur le plus capé. Et c'est le double buteur, Kelechi et Anacho, qui cède sa place à Moussa. Et oui, ils sont forcément satisfaits de cette prestation, les Super Eagles. Il y a pas mal de décontraction sur ces dernières minutes. Bobby également est sorti, remplacé par Abdoulaye Chehou. Pas la Camara a perdu ce ballon. Une faute peut-être sur Kalou, elle n'est pas sifflée. Si, un petit peu de retard là. Samuel Kalou va obtenir un coup franc. Il va marcher sur le pied. Petite semelle. Bien pour le joueur des Girondins de Bordeaux, ancien de la Gantoise en Belgique. Collins devancé par Kozia. Nji Camara. Ouais, c'est pas mal ça, ce ballon sur David Toué. Feinte de corps de Kozia. Chehou dégage directement en touche. Bon, pour les Lone Stars, c'est un coup franc qui va peut-être permettre à la formation de Peter Butler d'inquiéter Okoye, le gardien nigérian, qui aura vécu une rencontre très tranquille. Il place sa défense, il place son mur à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Et application maximale là du côté des joueurs du Liberia. Un but maintenant permettrait de s'offrir une fin de rencontre à suspense. C'est long, deuxième poteau, avec ce coup de tête de David Toué, ou plutôt de Samson Doué, le défenseur qui passe à côté. Il va monter plus haut que Jamilou Collins. Il ne parvient pas à cadrer. Ça passe à un bon mètre. Poteau gauche de Maduka Okoye. Dégagement. Gardien des Super Eagles. Ils vont donc parfaitement entamer ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On rappelle que seuls les 10 premiers de groupe se qualifieront pour le troisième tour, des barrages aller-retour pour désigner les 5 pays africains qualifiés pour le prochain mondial. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur sur cette première rencontre à domicile, les joueurs de Guernotror, mais ils ont répondu présent. Cinq rencontres derrière, rien n'est fait bien sûr, mais prendre d'entrée les 3 points permet de emmagasiner un maximum de confiance, de sérénité avant le premier déplacement.
Ce sera mardi au Cap-Vert. Et lundi, Liberia recevra la République centrafricaine. Dégagement d'Ashley Williams, et c'est un ballon facile là pour Maduka Okoye, protégé par son capitaine, son ancien capitaine, puisque William Ekong a laissé son brassard à Moussa. Les dernières secondes du temps réglementaire, les Nigérians déroulent tranquillement. Et la hiérarchie sur ce premier match va être respecté, puisque le Liberia, 150e au classement FIFA, recevait le se déplaçait chez le 34e. L'écart important qui s'est donc matérialisé au tableau d'affichage par ce doublé de Kelechi et Anacho. Allez, une offensive là pour David Toué, qui a apporté du dynamisme depuis son entrée en jeu, le numéro 22. Le voilà en gros plan, qui évolue en Biélorussie, dans le Rouk Brest. 22 ans seulement, 6e sélection. On est dans le temps additionnel, 4 minutes supplémentaires. Et à souligner le très bon arbitrage de Kwasi Atiso Atiogbe, l'arbitre togolais. Ouf. Gros contact là avec Samson Doué. Un carton jaune certainement. Le troisième sorti par l'arbitre togolais. Ça ne sert à rien de s'énerver du côté d'Ianacho. La charge est assez brutale dans le dos d'Ahmed Moussa. Carton jaune logique. Ça continue à discuter avec Wilfried Ndidi. Allez, coup franc pour Balogun. Avec d'abord un changement. La sortie de Joseph Ayodele Haribo. Tout en sobriété, mais très précieux dans l'entrejeu. Cède sa place à Ogene Karo Etebo. Joueur de Watford. Tout se passe parfaitement. On le répète pour le sélectionneur Garnotror. Ces deux buts marqués en première période lui auront permis de faire tourner assez profondément son équipe en seconde période. Faire souffler certains joueurs. Donner du rythme à d'autres. Ah, bien fait là de la part de Kalou de l'autre côté. Et Thébo va aller chercher ce ballon sur Chehou. Moussa, position de hors-jeu, ouais. Position de hors-jeu d'Aïna. Nji. Libériens n'auront pas démérité, mais n'auront pas trouvé les solutions, pas trouvé les réponses là pour déstabiliser cette équipe nigériane. Et dans la dernière minute du temps additionnel, le Nigeria va pouvoir fêter un 25e match consécutif à domicile en éliminatoire de la Coupe du Monde, sans défaite. Ce sera donc 22 victoires, 3 nuls désormais sur cette série. Et une troisième victoire en 5 confrontations contre le Liberia en phase éliminatoire de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique des Nations.
Hiérarchie respectée donc aujourd'hui à Lagos entre un habitué des phases finales, le Nigeria, et une équipe qui n'a jamais réussi à décrocher un ticket pour une phase finale de Coupe du Monde. Coup de sifflet final qui confirme donc cette victoire du Nigeria. Les Super Eagles s'imposent 2-0 contre le Liberia grâce à un doublé de Kelechi Iheanacho. Les buts inscrits à la 22e et à la 45e minute qui récompense la supériorité des Super Eagles qui démarrent très très bien cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Il faudra confirmer ce succès à domicile par un bon résultat sur la pelouse du Cap-Vert. Un match qui aura lieu mardi. Le Liberia voudra se relancer lundi contre la République centrafricaine. Voilà, on va quitter le stade de Lagos sur ce joli succès mérité des Nigérians contre les Libériens. Salut à tous!